le Canada. Pays des grands espaces et des richesses infinies. Terre d'abondance et de générosité où chaque citoyen peut légitimement aspirer au confort et à la sécurité. C'est pas compliqué. Le Canada est considéré comme le 4e meilleur pays au monde pour sa qualité de vie. C'est vrai qu'avec un régime universel de santé publique, un système d'éducation accessible à tous et des politiques basées sur l'égalité et la justice, le Canada est le pays de toutes les opportunités, où chacun obtient, un jour ou l'autre, la chance de se faire une place au soleil. Bingo! Bonjour, je m'appelle Urmain Desbois. Je suis une grande vedette de la petite chanson du Québec. Mais alors, comment expliquer que dans le 4e plus beau pays au monde, des millions de Canadiens vivent malgré tout en situation de pauvreté? Que des centaines de milliers de personnes n'ont pas mangé à leur faim aujourd'hui? Que des hommes, des femmes et même des enfants dormiront dans la rue cette nuit, peut-être tout juste à côté de chez vous? Le Canada a beau être un des pays les plus riches de la planète, il compte encore aujourd'hui plus de 3 millions de pauvres. Au fait, c'est quoi la pauvreté? Ben, la pauvreté, c'est quand tu n'as pas assez pour faire une vie normale. La pauvreté, c'est ne pas avoir de toit, ne pas pouvoir manger. Mais il y a aussi la pauvreté morale, où les gens n'ont pas de recours à des vérités morales qui les aident à donner un sens à la vie. Ce sont des conditions de vie très défavorables où on ne peut pas s'épanouir et se développer en tant que personne. C'est vrai que le degré d'épanouissement d'une personne se mesure d'abord et avant tout par le regard que l'on pose sur elle. Et c'est pas exclusivement une question d'argent. N'empêche que l'épanouissement personnel, ça remplace pas le chauffage l'hiver. En fait, moi, je serais curieux de savoir combien ça prend pour être pas pauvre. Ah, le revenu annuel? 20 000, à peu près. Ben, ça devrait être dans 25 000, tout certain, hein? Je dirais en bas de 25 000 $ minimum. Le salaire? Moins de 20 000 $ par année. 14 000. 18 000 et moins. Disons 12 000. Au-delà des chiffres et des concepts, la pauvreté, c'est très relatif. Qui est pauvre? Oui, je sais, vous pensez à l'itinérant sur son banc de parc et vous avez raison. Et si on demandait maintenant à Paul de Halifax, qui vit de l'aide sociale depuis 9 ans, à Karen de Red Deer en Alberta, qui travaille à temps plein à longueur d'année et qui tire malgré tout le diable par la queue, ou encore à Christopher, médecin de Toronto qui peine à payer son hypothèque après un deuxième divorce, posez-leur la question, ils vont tous vous répondre qu'ils sont pauvres. Fait que, à partir de quand on est pauvre? Comment on définit la pauvreté? Historiquement, au Canada, les gouvernements ont toujours refusé de nommer la pauvreté puis de se donner une mesure officielle de la pauvreté pour toutes sortes de raisons, probablement pour ne pas s'obliger à développer des programmes qui amèneraient les gens au-delà de cette mesure-là. Mais dans les faits, évidemment, pour fonctionner, les groupes, les gouvernements, tout le monde avait besoin d'une référence. Et donc, ce qui est devenu notre mesure de la pauvreté, c'est ce que Statistique Canada a appelé le seuil de faible revenu ou la mesure du seuil de faible revenu. C'est une mesure qui est un peu dépassée. C'est une mesure qui a été développée dans les années 60. Et notamment, ça ne tient pas compte des coûts du transport qui sont très importants pour tout le monde. C'est une mesure aussi qui ne tient pas compte des différences de coûts de la vie d'un endroit à l'autre au Canada. Avec l'adoption de la loi 112 contre la pauvreté et l'exclusion sociale en 2002, le gouvernement du Québec se donnait comme mandat de créer une stratégie de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et pour faire ça, bien sûr, il fallait trouver une manière de mesurer la pauvreté pour voir si on avance, si on recule, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui l'est moins. Donc, on a retenu la mesure du panier de consommation qui est essentiellement une manière de calculer quel revenu est nécessaire pour se procurer les biens essentiels pour vivre. OK. Là, vous voulez savoir c'est quoi le chiffre magique, la fameuse ligne qui sépare les pauvres pauvres du reste du monde. Alors, pour une famille de deux adultes et deux enfants, la mesure du panier de consommation prévoit,
26 560 $ par année. Pour une personne seule, c'est simple, on coupe de moitié. 13 280 $. Moi, pour avoir déjà été sur le PS, là, je suis guitariste en vie. Là. Sur le BS, là, je faisais 560 par mois, à peu près. Je veux dire, pas de... C'est la moitié, je pense. C'est à peu près 7000 piastres par année. Quand je me faisais pas couper. OK, quand tout allait bien, là... Je sais pas comment j'ai fait pour arriver. Je sais... Même aujourd'hui, je pense que c'est pire. Je sais pas comment ils font pour arriver, les gens. C'est de plus en plus dur. Bonjour, je suis Solange Laliberté, j'ai 56 ans et je suis une maudite BS. Je suis née sur une ferme au lac Saint-Jean et nous sommes arrivés à Montréal en 67. Je me suis mariée à 23 ans. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper des enfants. Ensuite, le mari n'était pas très gentil, très violent. Ça a pris beaucoup de temps avant que j'arrive à vaincre ma peur et à divorcer. La madame que tu vois devant toi, là, c'était pas cette madame-là il y a 20 ans. J'ai suivi une formation ici dans le quartier qui s'appelle le plus communautaire. Je me suis trouvé un travail, une sorte de réinsertion, et après 6 mois, j'ai perdu cet emploi, mais j'ai fait au-delà de 500 applications en dans 6 mois. Là, j'ai eu du chômage et revenir à cause de part en 2001 sur l'aide sociale, encore une fois. Et là, ça a été le moral complètement, presque détruit. Pas autant, il va finir à un moment donné par m'en sortir. Là, j'ai essayé de travailler au noir parce que là, j'avais mes 3 enfants, puis j'ai travaillé dans des restaurants. Mais ça, les restaurateurs, ils sont pas fous. Ils le savent que t'es sur l'aide sociale, fait que si tu oses parler, ils vont te dénoncer. Ou ben non, si tu oses autre chose, ils vont te remplacer. J'arrive. Parce que grâce au logement social subventionné. C'est grâce à la subvention. Je dois te dire que c'est difficile. Parce qu'il y a un mois, je paye l'hydro, je paye pas le bel. Mais le mois d'après, là, j'ai une double facture de bel. Fait que là, je paye bel. Là, je ressaute un autre mois. Là, c'est hydro qui arrive. Là, je paye hydro. Comme ça. C'est sûr qu'il y en a qui ont plus de la misère que d'autres choses, qui sont peut-être pas aussi débrouillards. Mais c'est pas de faute. Ça, c'est ça, l'éducation populaire. Il en manque un peu. Comment arriver à budgéter? Comment arriver à faire de la nourriture plus maison que de l'acheter? Mais c'est sûr et certain, des fois, tu te dis, maudit, j'aimerais ça, tu sais, juste un hot dog. Bon, des fois, c'est ça, ma traite. J'en mange pas maison, mais je vais m'en acheter un parce qu'il est 69 cents du 7. Juste pour dire, manger un hot dog. Je mets au défi une personne d'arriver avec un chèque d'aide sociale, voir ce qu'elle peut faire avec ça. Hein? Belle idée, Solange. Effectivement, il n'y a rien comme vivre une situation pour la comprendre. Et c'est exactement la question qu'on s'est posée, dans le fond. Comment se débrouilleraient des personnes qui gagnent bien leur vie, qui n'ont jamais connu la privation, qui ne se posent pas de questions sur le prix de la pinte de lait? Comment elles réagiraient si, tout d'un coup, elles devaient subvenir à leurs besoins avec une prestation d'aide sociale? Ma chère Solange, on va t'en trouver des volontaires. Même qu'on ne devrait pas manquer de candidats, puisque, dans le fond, ce qu'on propose, c'est d'être payé à rien faire. Non, je ne sais pas. Non. Vraiment, c'est... Non, non, non. Non. Bon, OK, ça n'a pas été aussi simple qu'on pensait. Mais on a trouvé. On en a même trouvé 2. Un homme et une femme prêts à vivre l'expérience. Prêts à tout quitter pendant 2 mois pour devenir des naufragés des villes. Je m'en vais à la guerre, moi, là. Notre premier volontaire, Pierre Côté, de Québec, 53 ans, père de 2 enfants, consultant senior en marketing, revenu annuel moyen... disons qu'il manque de rien. Ce qui m'attire le plus là-dedans, c'est de vivre quelque chose que j'ai jamais vécu tout à fait. Notre deuxième candidate, Emmanuel Chapados de Moncton, 27 ans, diplômé en communication.
revenu annuel moyen 34 000 $. Au cours des deux prochains mois, Emmanuel et Pierre vont devoir se débrouiller avec une simple prestation d'aide sociale, soit 592 $ et 8 sous par mois. 20$ par jour pour se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, se trouver du travail. Bref, exister. Beau défi en perspective. Ils auront également droit à un sac à dos et le linge qu'ils pourront y mettre, une carte de Montréal, un guide des ressources communautaires pour personnes itinérantes et on leur remettra une mini caméra vidéo pour documenter l'expérience. Pour le reste, on a tout confisqué. Plus d'argent, plus de téléphone, plus de voiture, plus de carte de crédit. Pas le droit d'avoir de l'aide des amis. Ils veulent plus d'argent. Ils ont juste à travailler. Ah oui, un détail. On a aussi modifié leur CV. Toujours partant pour l'aventure. On a bien hâte de voir ça. Bon, ben, c'est le matin de mon départ. J'ai fait exactement ce que ma maman m'a dit de pas faire hier soir. Je me suis pas couchée. C'est trop cute. Il semble que j'aurais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à écrire, beaucoup trop de choses. Je me sens pas capable de toutes les écrire, de toutes les dire. Il semble qu'il faut que je fasse ça presque tous les jours. Alors, à plus. Moi, je suis très curieux de voir ça, en fait. Ça va être peut-être un peu comme l'histoire des lavigueurs à l'envers. Les lavigueurs partaient de rien puis se ramassaient au top. Puis on prend du monde du top, on les envoie en bas pour faire... Essaye de remonter tout seul pour voir. Quand tu pars de zéro, là, que toi, t'as rien dans la vie, là, t'es un BS, là, t'as pas de... valeur zéro, là, t'sais, pour tout le monde, là. Ben là, faut que t'ailles te chercher un appart. Faut convaincre le propriétaire que oui, oui, tu vas payer, y a pas de problème, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Mais là, en ce moment, rien, mais... Tu sais, se piler sur l'orgueil un peu, développer l'humilité, se débrouiller. Avec 20$ par jour, j'ai fait des calculs, là, OK? Regarde, j'ai fait des calculs en mettant ça au plus bas. Puis il manque l'argent, là, tu sais. Je m'appelle Pierre Côté, j'ai 53 ans, je suis consultant en marketing et en communication, j'ai 2 enfants. Et je vis à Québec depuis plus de 30 ans. J'essaie d'être sensible aux signes. Je suis pas ésotérique, pas en tout, je suis pas spirituel, mais des fois, il y a des événements qui se passent dans la vie, tu te dis, ça arrive pas pour rien, ça. Depuis presque 4 ans, je travaille sur l'IRB, l'indice relatif de bonheur, qui est une auto-évaluation que chacun fait de son niveau de bonheur. Puis le but, c'est d'arriver à déterminer toutes les variables, les caractéristiques, les valeurs, les comportements qui influencent positivement ou négativement le niveau de bonheur, pour être capable, après ça, d'avoir une incidence. J'aimerais ça être capable d'améliorer ou de contribuer à quelque part à l'amélioration de la société. Les autres sont tout le temps là, par exemple. Ouais. Les autres. Mon père, c'est pas une personne qui aime l'argent. C'est une personne qui aime travailler. C'est pour ça qu'il a toujours eu de l'argent, parce qu'il aimait travailler. Ça lui dérange pas de travailler 70 heures semaine. Je pense que ce qui va lui manquer de son quotidien, c'est le pouvoir d'être seul, d'aller jogger seul, de manger seul. Puis ça, je pense que ça va lui manquer. Sinon, c'est un homme qui aime déjeuner. Café espresso chaque matin, avec suisse tomate, mayo sur ses petits toasts multigrains. C'est une personne qui aime le confort, c'est une personne qui a ses habitudes, épicurien un peu comme la plupart des baby boomers de son âge, qui aime prendre du vin, il a un bel appartement, il aime se vivre dans un milieu qui est en contrôle. Je ne garocherai pas dans une colocation du jour au lendemain. Ce qui me fait vraiment plaisir, là, c'est l'été, je pack mes affaires dans l'Ouestphalia, puis je disparais. Je disparais avec le vélo sur le rack, avec peut-être un kayak sur le top. Pour moi, là, ça, c'est magique. T'aimes ça disparaître, mon Pierre? Pour disparaître, tu vas disparaître. Avec 592 piastres, tu vas en faire du camping? J'aime beaucoup la vie. J'aime encore me laisser emporter par les choses, le fun de la vie.
Je m'appelle Emmanuelle Chapados, j'ai 27 ans. Je viens de Moncton au Nouveau-Brunswick. Je viens d'avoir mon bac en information et communication en 2008. Je vis en appartement avec trois colocs. Julie, Alyssa n'est pas souvent là, puis Chris, on l'appelle un peu le « mad scientist ». Je travaille en communication, puis je me bâtis une carrière en cinéma, télévision, documentaire. J'aime vraiment rendre les choses plus accueillantes, plus jolies dans le genre. Je me fais un jardin, j'aime ça jardiner. J'aime aller au marché des fermiers les samedis matins. J'aime aider mes amis avec leurs différents projets, genre mon ami Guy qui a une galerie. J'aime ça l'aider avec monter ses expositions. Je pense qu'elle a une grande capacité de débrouillardise. Elle a tout le temps su trouver ce qu'elle cherchait au niveau d'emploi ou d'activité dans ses différentes périodes de sa vie. Je ne sais pas si cette expérience-là va me changer au fond vraiment qui je suis, mais mon regard sur les gens qui vivent dans la pauvreté, peut-être. Oui, ça peut sûrement changer. Pour ma part, moi, j'étais sur le BS quand j'étais plus jeune, au début de ma vingtaine. Puis c'était pas si mal. J'étais jeune, j'avais de l'énergie, j'étais dans des projets de musique, créatifs, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, il y a vraiment un truc tu te sens exclu complètement du reste du monde. C'est-à-dire que tu vis dans une sous-couche de la population. Puis entre nous, mettons, entre miséreux, entre galeux, ça va. Sauf que dès que tu franchis un peu, dès que tu sors un peu de ton territoire, puis tu rencontres des gens qui ont une situation, qui ont des moyens, des jobs, l'éducation, la santé, ils ont tout, ils ont du stock neuf. Ils se posent pas de questions sur qu'est-ce qui va leur arriver dans deux semaines. Il y a un gros clash, tu sais. C'est que moi, je trouvais ça justifié d'avoir du BS parce que mon parcours m'a amené là. Puis c'était pas ça que je voulais, mais je trouve ça justifiable. Tandis que des gens de l'extérieur qui vivent pas ça ont une espèce de recul d'effroi, là, comme mon Dieu, mais c'est... Puis c'est très souvent un regard très méprisant sur le monde qui est sur le BS. Peu importe la mesure qu'on retient, pour mesurer la pauvreté, il faut, à un moment donné, décider d'une ligne à partir de laquelle on est considéré pauvre. Et c'est toujours un peu arbitraire. C'est un choix qu'on fait de mesure. On essaie d'être le plus rigoureux possible dans ce choix-là. Mais ultimement, on comprend que si vous rencontrez quelqu'un qui est juste en dessous du seuil de faible revenu tel qu'établi par la MPC, puis vous dites « Ah, il te manque 10 $, tiens, on va te le donner », cette personne-là ne cesse pas d'être pauvre tout de suite comme ça. Donc, c'est dans la réalité, quand on est autour de ces seuils-là, on est pauvre et ça prend un peu plus que ça pour vraiment se sortir de la pauvreté. La mesure de panier de consommation crée un panier fictif, si on veut, qui inclut ce qu'on estime être nécessaire pour une personne ou une famille à faible revenu, ou n'importe quelle famille, en fait. Et ça comprend 5 grands types d'éléments. Il y a la nourriture, les vêtements, le logement, le transport, puis un poste autre qui comprend un ensemble de dépenses, de besoins, comme l'ameublement, le téléphone, les fournitures scolaires, les soins personnels. Ce panier ne comprend toutefois pas les frais médicaux non assurés, les frais de garde et les frais professionnels qui sont en su de ce qui est prévu dans le panier. Ce que prévoit la mesure du panier de consommation pour la nourriture, c'est correct au plan nutritif. Par ailleurs, les enfants sont rationnés. On n'invite pas des gens à manger. On ne va pas au restaurant. Pour le logement, ça se rapproche du prix médian. Le problème ici, c'est d'en trouver un logement disponible à ce prix-là. Pour les vêtements, ben des religieuses en ont fait l'expérience. Et ce que prévoyait la mesure pour une femme, pour un an, ça tenait dans deux petites valises. Elles, qui ont fait le vœu de pauvreté, ont jugé que c'était pas assez.
le transport, la mesure du panier de consommation prévoit un laissez-passer de transport en commun là où il y a du transport en commun. Et puis ailleurs, on va prévoir une auto usagée avec certains frais pour l'entretien, mais il n'y a pas de frais prévus pour les réparations. Pour la partie autre du panier, ça réunit beaucoup d'items, mais avec un très, très petit budget. Alors, il faut faire des choix. C'est pas possible de tout couvrir ça. Et il n'y a aucun espace pour des imprévus. Le danger d'établir une référence comme la mesure du panier de consommation, c'est de penser qu'en haut de cette ligne-là, on est sorti d'affaires. Ça devrait être une référence pour l'aide sociale et non pas pour le salaire minimum, par exemple. Ça peut être une tentation pour un gouvernement de jouer à l'autruche et de se cacher derrière cette mesure-là, alors que la responsabilité du gouvernement, c'est d'assurer les protections sociales bien au-delà de cette référence-là. J'ai décidé de tenter l'expérience avec Naufragés des villes parce qu'au fond, je veux voir comment c'est de vivre avec moins, d'aller voir des gens peut-être que je côtoie pas nécessairement souvent, puis découvrir, peut-être grandir un peu. Tu peux pas croiser des gens, que ce soit de l'itinérance, que ce soit des gens plus pauvres, sans souvent sentir, c'est très subtil, mais je sens qu'il y a une violence. Et que la pauvreté souvent associée à une violence, puis ça, ben ça me fait peur. Emmanuelle a beaucoup d'entre gens. Elle est amicale, elle est chaleureuse. Je crois que ça va être sa grande force qui va l'aider à passer à travers. Plus on a un petit côté spirituel aussi, donc tout ça mélangé ensemble, ça devrait bien aller. Ce qui me fait le plus peur, c'est quand j'arrive dans un milieu auquel je suis pas habituée. Je veux pas, ça me fait quand même un choc. Puis j'ai juste peur que ça soit difficile émotivement au début. Pierre, c'est un gars tellement pensif, il va penser. C'est une expérience qui va provoquer des réflexions, c'est sûr. Parce qu'il va être confronté quotidiennement à ce qu'il n'a jamais été confronté dans sa vie. Je pense que ce qui va permettre à mon père de passer à travers l'expérience, c'est sa discipline puis sa persévérance qu'il a toujours eue. Tellement responsable, organisé, discipliné, déterminé, c'est que je vais probablement trouver les moyens de composer avec les situations puis d'arriver à m'en sortir. Mais je dis bien à m'en sortir parce que je vois ça comme... Je vois vraiment pas ça comme un pique-nique. Pierre et Emmanuel vont certainement réaliser que le niveau de revenu qui est accordé à l'aide sociale, on est très loin de parler d'un niveau de revenu confortable. Donc, l'idée que les gens puissent profiter de cette situation-là va leur apparaître comme beaucoup plus douteuse. On comprend que 7 000 $ par année, ça représente moins que 600 $ par mois. Donc, on peut facilement imaginer ce qu'on pourrait faire, nous, chacun d'entre nous, avec 600 $ par mois pour payer l'ensemble de ce qui est nécessaire. Pierre et Emmanuel, à coup sûr, ils vont vivre l'expérience de la perte de statut. Ça se voit dans le regard des autres, ça. Je pense aussi qu'à travers ça, ils vont rencontrer des personnes très intéressantes. Des gens qui la vivent, la pauvreté, qui ont appris à se débrouiller, ils vont certainement vivre de l'entraide aussi. Et ça, ça risque d'être un aspect positif de leur expérience. Ça va être un beau, bel exercice pour apprendre à garder l'estime de soi intacte en passant un petit séjour en enfer. Dans une grande ville, on peut rapidement se faire oublier, disparaître dans la foule. Et c'est encore plus vrai quand on est pauvre. Qui se douterait, par exemple, qu'à Montréal, 1 personne sur 10 vit de l'aide sociale? Que 40 % des travailleurs y gagnent moins de 20 000 $ par année? Et qu'un Montréalais sur 4 est considéré comme pauvre. Mais où sont tous ces gens? Sans pouvoir d'achat ni statut social, on tombe rapidement dans l'anonymat et l'isolement. La pauvreté rend invisible. Emmanuel et Pierre ont débarqué à Montréal parfaitement incognito, avec en poche un simple chèque d'aide sociale.
Manger, c'est secondaire aujourd'hui, là. C'est vraiment me trouver une place pour rester. Je voudrais idéalement avoir quelque chose de potable à soir. Dans une bibliothèque tout de suite, par Internet, idéalement. Je vais acheter le Journal de Montréal, peut-être le Journal Métro. Je vais éplucher ce qu'il y a. Ah, oh, fuck, ils sont pour elle, le lundi. Normalement, j'aurais pas eu accès à Internet parce que j'ai pas d'adresse résidente. Fait que là, avec ma carte de soins maladie, on réussit à me donner une heure à Internet. J'ai 8 ou 9 adresses là où on peut aller voir de quoi ça a l'air pour les appartements. Allô? Oui, bonjour, j'appelle pour la chambre sur allouée pour 300$ par mois. C'est complet. OK, merci. Bonjour, j'appelle pour les deux chambres à louer. Ouais. Est-ce qu'elles sont encore disponibles? Oui. Moi, je serais prêt à aller visiter ça là, l'après-midi. Es-tu étudiant, toi? Non, je suis pas étudiant. J'arrive de Québec. Il faut me trouver une place. J'ai aucun endroit pour rester. Je suis ici pour 2 mois. Non, j'ai pas de contact, rien. Non. Désolé. Merci. Au revoir. On va avoir un appartement, une chambre dans un appartement. Qui sera en colocation avec Frédéric, qui s'appelle. Là. Alors, c'est de voir si ça a de l'allure. J'espère, parce que c'est le moins cher à date que j'ai vu. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Des musiciens? Oui, on est des musiciens. Si même moi, je te reviens dans une couple d'heures, tu vas être ici, toi? Ouais. Parce que moi, jamais je le pense, ça va être dès ce soir. Par contre, faut que j'appelle quelqu'un après toi, si tu peux te décider, là. Parce que j'ai loué aujourd'hui. Si c'est pas toi, c'est l'autre. Bon, ben, c'est pas si pire. Ça ressemble à l'appartement de mes enfants. C'était ça que je m'attendais aussi. Dans le sens que sont deux. Lui, il a sa petite fille de temps en temps, donc il y a une place pour sa petite fille. Des musiciens, des gars qui travaillent dans le son. Un petit coup en arrière, tu sais, c'est correct, là. C'est ça, c'est un appartement de gars, comme on dit. Oui, salut, c'est Pierre. Oui, pour l'appartement, la chambre. Toi, dans le 350, ça comprend quoi? T'as la connexion sur l'Internet, interurbain, Québec-Canada, laveuse, sécheuse. Moi, je suis jusqu'à la fin, mais tout le mois de mai, tout le mois de juin. C'est ça, ouais. Puis moi, il faut que je me trouve une place où coucher à soir. Bon, ben, deuxième appartement à visiter. L'appartement est intéressant, mais le gars qui est dedans, pas tellement. Pas mal loin. Hein? J'ai cité dans Alma à côté de moi. Il faut que je prévoie quasiment 70$ par mois de transport en commun d'ici. Alors, ça rajoute là. On va voir, là. C'est une maison de chambre, ça, c'est clair. Là. Puis je sais que c'est une place qui a toutes sortes de clientèle, on va dire. Ça se loue à la semaine. Peut-être que ça a bien de l'allure. C'est bien situé, c'est sur plateau, alors on va voir. Ah, ça marche pas. J'ai du mal lire, là, mais c'était comme pas libre. Alors, c'est ça. Fait que je pense que je vais aller avec l'ornier. Alors, mon objectif est atteint. Là, il me reste 215$ pour le reste du mois. Peu importe la ville dans laquelle on débarque, qu'on arrive en train ou en autobus, les premiers instants sont déterminants. En quelques secondes, on comprend tout de suite si la ville va nous aimer ou nous rejeter. Il suffit d'un sourire complice ou d'un regard hostile pour que tout bascule. Pour Emmanuel, c'est ici que débute l'aventure. La première chose à laquelle j'ai pensé en arrivant, c'est me trouver une place à rester. Parce que je savais que j'avais pas beaucoup d'argent pour le mois, puis le plus de temps que je passais à chercher, le moins d'argent que j'allais avoir pour vraiment avoir une place. Allô. Salut. Je me cherche une place à rester. OK. Tu viens d'arriver à Montréal? Oui. Ou... Ouais? Oui. Puis t'arrives de où? Moncton. Premier arrêt est un programme communautaire du YMCA Centre-Ville. On est situé dans la gare d'autobus de Montréal depuis 1999. C'est un service d'aide et de référence de première ligne pour les nouveaux arrivants à Montréal.
Dans le terminus, il y a de tout type de personnes. On parle de voyageurs, de gens qui viennent chercher de l'emploi. On parle de personnes qui viennent s'installer de d'autres régions. On parle de jeunes en situation vulnérable qui viennent s'installer à Montréal. Donc ça, c'est tous des gens qu'on peut voir qui peuvent, à un moment donné, avoir moins de ressources, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui peuvent être plus vulnérables aussi aux influences de l'environnement. Donc, autour du terminus, il y a différentes influences qui peuvent être négatives pour eux. Et nous, on va essayer de faire de la prévention. Il y a des jeunes, après 3 ou 4 jours là, passés au centre-ville, ils vont apprendre comment fumer, c'est quoi de l'héroïne, ils vont apprendre comment faire de la coke puis comment passer à l'injection en l'espace de 3 ou 4 jours. Il y a des jeunes qui se font prendre dans le trafic de stupéfiants. Il y a des jeunes qui consomment des drogues mélangées. Il y a des adultes qui sont malades, qui vont approcher des jeunes pour leur offrir des services. Ils vont leur offrir de la nourriture, ils vont les solliciter pour avoir des faveurs sexuelles. Ça, c'est notre environnement. C'est malade. Même quand t'as rien dans la vie, il y a quand même quelqu'un pour essayer de te l'enlever. Des fois, on va se promener dans le terminus, on va trouver des gens dans les toilettes. Des fois, il y a des gens qu'on va trouver en pleurs au téléphone. Bien, bonjour, il faut se présenter tout de suite. Est-ce que ça va bien? Est-ce que je peux t'aider? Non, c'est beau, on s'en va. Sinon, là, on peut commencer le contact, on peut aller plus en profondeur pour aider la personne puis voir qu'est-ce qu'elle a besoin. Mettons, pour dormir ce soir, ta sécurité, ouais, idéale, c'est soit d'aller dans un hôtel. On a des auberges jeunesse qui sont à 20 $ à peu près la nuit. Ouais. Sinon, il y a les hébergements d'urgence qu'on appelle, et ça, c'est gratuit. Ouais, je pense que j'essaierais peut-être ça parce que j'ai juste, j'ai même pas 600 pièces pour le mois. Là. OK. Quand je suis arrivée à la gare centrale d'autobus, dans la gare, il y a un organisme qui s'appelle Premier Arrêt. Ah. Eux, ils m'ont donné genre une liste de ressources pour des places à rester. Puis je vais t'écrire aussi des places où tu peux aller manger où c'est gratuit 2 fois par jour en semaine. Ah. Wow. Bonjour, je m'appelle Mélanie Richer, je suis la coordonnatrice du programme Premier Arrêt. Oui, en fait, j'ai appelé pour savoir si vous aviez de la place pour une jeune femme de 27 ans ce soir. Pour ce soir, il n'y avait plus de place. C'est fait qu'il faut qu'ils rappellent, voir si tout le monde est rentré ou non. Puis sinon, ben, au pire aller, ben, il y a une auberge jeunesse, là. 20 $, je pense, 20-25. C'est comme pas l'idéal, mais je préfère ça que dormir dans la rue. Par année, dans le terminus, on peut établir jusqu'à 40 000 contacts de tout type. Dans la situation d'Emmanuel, on a fouillé un peu tout ce qu'on avait comme ressources d'urgence. Et hier, on n'avait personne. Non, j'ai rien trouvé la première journée là, comme telle pour logement à long terme. Là. Mais pour cette soirée-là, ils sont arrangés avec le garde de sécurité de la gare pour que je puisse rester là. Comme je savais pas vraiment exactement ce qui allait arriver, ben je préférais ne pas trop m'énerver. Moi, il y a une chose qui me fascine quand on parle de pauvreté. C'est que bien souvent, c'est pas les riches qui aident les pauvres. C'est ceux qui ont rien qui vont quand même trouver le moyen d'aider un voisin encore plus mal pris qu'eux. J'ai l'impression que la pauvreté, c'est aussi une question d'attitude, puis que des fois, la générosité est d'autant plus touchante qu'elle part de rien. Une canette vide, par exemple. Rester à la maison, rien faire, pour moi, avec pas d'argent, c'est pas une vie pour moi. Bonjour. Moi, je m'appelle Victor Paulin. Je ramasse des bouteilles pour venir en aide aux gens dans le besoin, pour les cuisines, pour les banques alimentaires. J'ai formé ma propre compagnie, que ça s'appelle Entraide Pauvreté. Une compagnie que j'ai commencée en 2007. Jusqu'à date, j'ai ramassé au-delà de 20 000 $. C'est un désir d'aider du monde de mon entourage qui était dans le besoin. Et ensuite de ça, un désir d'améliorer la qualité de la nourriture. Parce que la nourriture qu'ils reçoivent dans les banques alimentaires, c'est pas toujours de première qualité. C'est des emballages, c'est sûr que c'est vieux ou des boîtes qui sont brisées.
À un moment donné, moi, je m'attends d'être capable d'injecter de l'argent dans la compagnie pour être capable d'étendre les services. Si quelqu'un veut se prendre en main, ils peuvent s'en sortir. Moi, j'ai décidé de prendre les choses en main puis m'en sortir puis aider les gens à s'en sortir de façon définitive. Une personne n'est pas obligée d'être millionnaire pour faire une vie acceptable. Au moins, être capable au moins d'avoir un travail puis être capable au moins de payer les besoins de base puis avoir un petit surplus pour un petit peu de divertissement, avoir comme un équilibre dans la vie. Je pense que les gens plus riches qui ont l'idée d'aider les autres peuvent donner de l'argent, faire des choses comme ça. Mais je pense que les gens pauvres sont souvent plus généreux. C'est plus concret, c'est les petits gestes, mais c'est ils laissent plus de place aux autres, j'ai l'impression. Les très, très pauvres peuvent te dire, je peux pas t'aider beaucoup, mais je vais te donner ça. T'sais, je vais te donner de l'aide très facilement, sans poser de questions, sans me juger, juste. T'as besoin d'aide, tu sais. Je te fais une place. Je te juge pas. C'est sûr que j'aimerais ça jouer à être riche, puis avoir les moyens, puis faire tout ça, mais je regrette pas d'avoir été très, très, très pauvre. Ça m'a permis de faire des rencontres extraordinaires, de je sais pas. Je suis capable de parler à tout le monde, à un riche ou un pauvre. J'ai pas de... Je me censure pas. Je me débrouille sur plein de plans. Je suis capable de faire de la mécanique. Je suis capable de faire à manger. Je suis capable de faire des économies. J'ai déjà été capable de voler. Tu sais, comme je me suis développé de bien des façons. Je veux dire, j'ai voyagé. J'ai pas eu peur de coucher dehors en dessous d'un arbre dans un pays dont je parle pas la langue. Des affaires comme ça, tu sais, où ce que tu dis, ben écoute, je veux pas mourir de tout ça, mais. C'est ça, oui. Plus grande ouverture, j'imagine, que quelqu'un qui est tout le temps dans son petit confort puis qui appuie sur un bouton puis qui reçoit ce qu'il veut. Quand il faut que tu ailles le chercher, à un moment donné, tu y vas. C'est tout, tu sais. T'attends pas qu'on vienne te le porter. On peut parfois avoir l'impression que la pauvreté, ça ne nous concerne pas vraiment parce qu'on est un pays riche où tout le monde finalement mange à sa faim, même les plus pauvres d'entre nous. Or, la pauvreté, c'est une situation qui se vit dans une société. C'est une situation de manque qui est très nuisible pour les gens. Et donc, être pauvre dans un pays riche, on ne meurt pas de faim, mais ça veut dire qu'on manque de plusieurs des biens qui sont nécessaires, dans le fond, à une vie décente. Et ça se traduit par des conditions de vie très néfastes, mais qui affectent éventuellement la santé des gens, leur bien-être, etc. Donc, la pauvreté est très réelle, même si on est dans un pays riche, même si on a de l'aide sociale, même si on mange à chaque jour, même si peut-être on a une télévision et un minimum de loisirs, etc., un toit sur la tête, on peut être pauvre aussi et on en subit les conséquences. Ces conséquences-là aussi se répercutent sur nos enfants qui, eux-mêmes, vont avoir plus de chances d'avoir des problèmes de santé, d'avoir des difficultés à l'école et d'être pauvres un jour plus tard aussi. Chaque fois qu'on tolère que quelqu'un vive en situation de pauvreté, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des coûts à ça. On hypothèque l'espérance de vie de cette personne-là, ses chances de s'épanouir, sa capacité de se sentir partie prenante de la société. Les déficits humains qu'on impose à une partie de la société, de la population, en fait, c'est à toute la société qu'on les impose. De vivre dans une société où il y a beaucoup de pauvreté fait en sorte qu'on vit dans une société qui fonctionne moins bien, où il y a plus de problèmes sociaux, où il y a plus de gens malades, où il y a plus de criminalité, où il y a plus de conflits, etc. Et donc, la pauvreté détériore aussi la qualité de vie de l'ensemble de la société. Comment veux-tu qu'on survive? On est tout au salaire minimal. Y'a pas de danger de faire une overdose avec des miettes. Les gâteux, les séniles qui tiennent le gouvernail, ils sont même pas rendus compte que le bateau est plus dans l'eau. Faut
surtout pas perdre de vue que Pierre et Emmanuel, ils vont vivre ces difficultés-là pendant 2 mois, puis ensuite, ça va être terminé. Et puis, ils le savent. Alors que la pauvreté, c'est souvent une expérience d'une durée indéterminée. Ça peut durer quelques mois, ça peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans. Et puis, tout ce temps-là, ça devient de plus en plus lourd. Tu sens le regard des autres. Parfois même, si tu y fais pas attention, tu l'intègres. Puis là, il y a des précarités qui se cumulent parce que ça vient jouer sur les relations, ça vient jouer sur le courage aussi. Alors, ça peut être très, très difficile à porter sur un plus long terme. Faut pas perdre ça de vue. Regarde, c'est pratiquement prêt. Non, mais... Hein? Le timing, hein, pour moi, la cuisine, c'est quelque chose d'essentiel. Dans le prochain épisode, Pierre découvre les joies de la colocation. Je suis un gars qui est plus solitaire un peu, qui aime ça être tout seul dans ses bebelles. Donc, ça me force à sortir de mon cocon. Hein. Emmanuel est confronté au manque de logement et découvre le confort des refuges pour femmes. Ah, il y avait une dame, j'ai envie de demander tantôt qu'est-ce qui est arrivé, parce que elle est arrivée, puis elle s'est couchée par terre, elle était plus capable, plus capable, plus capable.